Oui. Qui est pas venu les mains vides avec du chocolat. Non, je vous ai ramené un petit peu de nougat, un petit peu des guimauves parce que c'est le côté voilà enfant, des caramels qui sont faits maison, tout est fait maison de toute façon, mais qui sont un peu particuliers parce qu'on y met un peu d'acidité. Et puis des chocolats aux fruits de la passion, les chocolats à la framboise, et puis on va voir un petit peu si on peut faire des petites infusions de peau. J'aime bien cette peau d'orange grillée qu'on faisait griller un peu sur les plaques de nos parents. Et on va voir si on peut avoir quelque chose comme ça entre le chocolat et puis la mandarine brûlée au niveau cœur du chocolat. Bon, vous êtes installé au restaurant Alexandre, chef, cuistot évidemment, propriétaire aussi, il faut le préciser, c'est pas... Non, mais c'est vrai. Propriétaire, oui, depuis 2000, oui. Ce qui est bien aussi. Installé à Garon, parlez-nous un petit peu, est-ce que vous, dans votre resto, vous faites un menu spécial, fête, spécial Noël, la semaine prochaine? Alors, il est évident que je pense que tous les menus qu'on fait tout le long de l'année, ce sont des menus qui sont faits par rapport à des produits de saison. Donc il est évident que pour Noël, on va faire un menu particulier Noël. Mais il me semble que même le menu d'aujourd'hui, c'est un menu de fête en fait. Donc on vient quand même manger des produits d'exception. Actuellement, qu'on ait du chevreuil, qu'on ait une soupe de gibier à plumes et à palombes, etc. On peut avoir des huîtres, on peut avoir des choses plus simples. Alors vous avez justement l'ongle chevalière cette année qui sera un petit peu la star des plats pendant les fêtes. Vous êtes dans les coulisses apparemment. Ouais, on a fait des essais. En cuisine, ouais. Ouais, on a fait des essais parce qu'on n'a pas le menu de Noël totalement établi. Donc on fait des essais sur l'ongle chevalier parce que d'habitude je travaille toujours des poissons d'eau de mer. Et là je crois que cette année j'ai un producteur d'ongle chevalier qui m'a ramené ça, j'ai goûté, je trouve ça remarquable. Et là justement on est en train de voir un petit peu comment on peut le présenter, cet ongle chevalier, avec quoi on peut le marier. Notamment avec du topinambour, peut-être avec des châtaignes, on ne sait pas trop, je ne sais pas trop encore. De toute façon, c'est quelque chose qui vient des Cévennes et j'aimerais bien faire un mélange Cévennes-Ardèche au niveau des produits, autour de ce produit-là. Alors toujours les produits régionaux, c'est ça qui est important de mettre en valeur. C'est toujours les produits régionaux. Oui, mais on est très riche en produits régionaux, donc on peut céder d'ananas, on peut céder de... Puis c'est français aussi la Martinique, hein. Mais je veux dire par là qu'on peut céder de produits exotiques, puisque c'est la saison des produits exotiques. Maintenant, on a de très bonnes mangues, on a très bien, de très beaux produits, les fruits de la passion cette saison. Mais à côté de ça, moi, je ne sais pas, on est tellement riche en produits qu'on se fait plaisir avec ce qu'on a, quoi. Même à un moment, vous cuisiniez, vous aviez du foie gras, pas qui vient de l'Ouest, mais un foie gras vraiment gardois. Oui, tout à fait. Ouais. J'avais un foie gras gardois pendant très longtemps, tant que j'avais un producteur gardois de très grande qualité. Bon, depuis, ça a changé, mais on essaye d'avoir le maximum de produits régionaux de toute façon. Alors, deux étoiles? Deux étoiles au guide Michelin, oui, depuis 2007, oui. Alors l'objectif, c'est de garder ces étoiles tout en faisant plaisir à sa clientèle. C'est ouais, pas difficile au quotidien, tous les jours, c'est du boulot quand même. Hein. Non, mais c'est un travail certainement intense pour beaucoup de gens. Mais après, il faut que ce soit une passion aussi. Je veux dire, le problème d'être cuisinier, c'est agréable parce que vous rencontrez des gens qui ont la même passion que vous. Après, à un moment donné, je veux dire, c'est vrai qu'on était donc au départ très jeune, beaucoup de fougue, un commis en cuisine et deux apprentis. Aujourd'hui, on est 24 en cuisine. Donc, il y a le côté patron aussi qui doit. Il faut être diplomate, il faut savoir gérer son équipe, etc. Il faut que ça tourne également. Donc, deux étoiles, c'est primordial de garder ces deux étoiles, voire plus. Mais bon, l'essentiel, c'est tous les matins se faire du plaisir avec les gens qui nous entourent. C'est surtout ça notre but. Aurélie, et donner du plaisir à nos clients surtout. Est-ce que vous avez pris du plaisir? Est-ce que vous êtes déjà venu dans ce resto à Garon? Non, jamais, mais très honnêtement, j'ai vraiment hâte parce que je suis très gourmande et Michel m'a donné très très envie de venir dans son restaurant. Il y a des bonnes tables à Arles, je crois. Hein, il y a aussi. De très bonnes tables à Arles, oui, bien sûr. Je n'ose pas les noter, les nommer, mais ils sont connus. Oui, exactement. Quelques très bonnes tables, très connues. Isabelle, vous connaissiez ce restaurant? Oui, je connais le restaurant, mais pareil, j'ai jamais eu l'occasion encore d'y aller. Mais effectivement, c'est pareil. Michel m'a donné envie d'y aller. J'espère pouvoir le tester bientôt. C'est qui votre clientèle? Est-ce que ce sont avant tout des Nîmois, des Gardois, des Héroltais qui viennent ou vraiment c'est national la clientèle? Écoutez, nous, ça fait depuis... Moi, j'ai repris le restaurant en 84.
Donc ça fait près de bientôt 30 ans que je suis là. Et j'ai surtout une clientèle locale. Moi, ce qui m'intéresse, c'est de travailler toute l'année et donc travailler avec une clientèle locale, de Nîmoise, mais du bassin d'Alès. On a beaucoup de gens de Montpellier, on a beaucoup de gens d'Arles. On ratisse un peu large. Et en fait, l'été, on travaille encore davantage. On travaille avec notre clientèle là, du bassin, plus une clientèle étrangère, enfin suisse, anglaise, un peu américaine, parce qu'on est relais château depuis 2 ans. Mais ce qui m'intéresse surtout, c'est de travailler avec les gens qui nous entourent. En fait, y a beaucoup d'émotions. Quand on est passé d'une étoile à 2 étoiles, je crois que les gens qui nous suivaient depuis très longtemps nous ont montré de l'émotion. On était touchés, ils étaient touchés pour nous, et il y a une complicité qui se fait sur les années. Bon, voilà pour ces 2 étoiles. J'espère que vous allez les conserver. C'est pas difficile au quotidien de dire. Voilà. Il y a toujours cette pression quand même, voilà, de se dire chaque année. Non, la plus grande pression que j'ai eue, c'est quand je suis passé de 1 à 2. En fait, je pensais pas avoir de pression. Mais quand on est 2, quand on arrive à 2 étoiles, on est quand même très haut. Et les gens qui viennent nous trouver viennent nous juger sur un 2 étoiles, plus sur 1. Donc pendant longtemps, j'étais 1 étoile et on me disait souvent tu mérites 2. Mais quand vous êtes 2, on vient vous juger pour un 2 étoiles. Donc c'est vrai que pendant un an et demi, j'ai un peu stressé parce qu'il faut se renouveler, il faut savoir tous les plats tous les nouveaux plats qu'on sort doivent être à la hauteur de ces 2 étoiles, mais voire davantage en fait. Mais après c'est une gymnastique, c'est une passion. On essaye des plats. Je pense qu'on a un palais qui est suffisamment clairvoyant, aiguisé, pour dire est-ce que on n'a pas le droit de tricher, quoi. Quand on goûte quelque chose, il faut que ce soit bon. Il ne faut pas qu'on se dise ça ira bien. Non, ça ira pas bien. Il faut que ce soit parfait, quoi. Il faut que nous on se triche pas sur soi-même, en fait, sur ce qu'on goûte, sur ce qu'on on n'a pas le droit à l'erreur. Vous comprenez que certains chefs étoilés abandonnent soit leur étoile, la rendent en quelque sorte, ou soit effectivement, voilà, suite à cette pression quand même, parce que malheureusement il y a eu certains faits divers, on va jusqu'à se un petit peu bousiller sa santé, faut faire attention. Est-ce que vous comprenez de temps en temps tout certains cuistots disent j'abandonne, c'est compliqué? Non, mais ça je peux tout à fait, ça je le comprends complètement. J'ai dit d'abord il faut être très passionné, il faut être même le jour de congé, quoi, il faut penser à sa cuisine, il faut penser à ses produits, il faut penser à changer les plats, à trouver des choses originales, et il faut beaucoup de santé. Mais justement il n'y a pas que la cuisine là-dedans, en fait. Il y a très peu de chefs, en fait, qui travaillent dans des grosses structures, c'est-à-dire le Ritz, pour en nommer, Bristol, etc. C'est un métier. Être cuisinier, chef, patron, c'est encore autre chose, c'est encore un autre métier. Et je peux comprendre qu'un 3 étoiles, notamment, ou d'autres, 1 étoile, rendent leur étoile pour travailler plus simplement, plus tranquillement, avec moins de pression. Bon, beaucoup d'étoiles dans les assiettes, les amis. Vous avez prévu quoi pour Noël? Bon, il nous reste encore une bonne semaine. Vous avez prévu quoi, Aurélie? Je vais manger drôle de Noël pour l'instant. Ah voilà, elle bosse à drôle de Noël. Puisque ça dure jusqu'au 24 inclus, et que le spectacle de clôture étant à 18h, toute l'équipe a l'habitude de terminer assez tard. Bon, petit réveillon en famille quand même. Bien sûr. Après le boulot bien mérité. Bien sûr. Parce que drôle de Noël s'arrête effectivement le 24 avec le spectacle de clôture. Tout à fait. Sur la place de la République. Isabelle, quel est le menu pour le réveillon? Vous avez prévu, vous bossez vous aussi effectivement, vous animez Cœur de Nîmes. Jusqu'au 24, beaucoup d'animation dans le centre-ville, donc beaucoup de boulot, mais un Noël gourmand surtout, et puis un réveillon en famille bien sûr, et beaucoup de tours de roue. Avec les chocolats, avec la dégustation, les petits chalets. Les chocolats, les barbes à papa, les bonbons, les vins chauds, les crêpes. Vin chaud, effectivement. Vin chaud, je vois que la technique s'amuse là. Vin chaud, ça fait réagir. Il y a pas mal de stands qui vendent du vin chaud, effectivement. Et la roue de Noël, Et la roue de Noël jusqu'au 8 janvier. Donc n'hésitez pas à aller acheter des tickets chez vos commerçants du centre-ville. Ça coûte combien, justement, un petit tour de roue? 1,50€ chez vos commerçants du centre-ville, les commerçants des Rancœurs de Nîmes. C'est correct, 1,50€. C'est très correct. Quand j'avais été au fait des Lumières à Lyon, c'est 8 euros. Effectivement, oui. Ah oui, oui. Bon pour le portefeuille. Bon, merci à tous d'être venus sur le plateau. Merci beaucoup. On vous souhaite une bonne édition avec Cœur de Nîmes. On salue tous les commerçants nîmois. Aurélie, merci beaucoup d'être venue pour Drôle de Noël. Ça commence le 17. Tout à fait. Et ça termine le 24. Voilà. Et pendant une semaine, c'est travail à volonté, mais pour faire plaisir aux autres. C'est tout sauf un marché Noël, Drôle de Noël à Arles. Michel, bon retour dans vos cuisines. Merci à vous, bon appétit.
Bonne soirée et puis bon Noël, bonne fête. Vous faites quoi ce soir justement aux clients à l'hôtel Alexandre? Vous avez prévu quoi? On va faire une soupe de gibier à plumes. Vous allez voir, c'est quelque chose de remarquable. Gibier à plumes, ouais, très bien. La soupe, ça va revenir. Hein. C'est des choses qu'on regrette un peu. Et puis c'est des choses très goûteuses, très, très parfumées. On se retrouve dans un instant pour nous parler de la pastorale le 18 décembre. Et on va parler de la crèche vivante à Saint-Gilles parce que c'est un événement pendant les fêtes. Et puis donner son sang, Alexandra Luchesse de l'EFS Gare Hérault sera là avec nous sur le plateau. Puis Jean Cannes, évidemment, pour On dirait le Sud en fin d'émission. À Lunel, à tout de suite après une courte pause.